corps s'imbrisse. Donc ici on freine entre les deux zones, on descend, trail braking tout doucement, on évite de glisser comme là, on remet tranquille. Donc ici on reste à droite, on freine légèrement juste après l'angle, on remet 50, on attend 100, on essaye de pas trop couper à droite sinon il y a l'off track. Ici on se place bien à gauche, 5e, on lève le pied pour rentrer, on remet un peu de gaz mais on reste à droite, on freine doucement, trail braking, on laisse glisser un peu s'il faut mais pas trop. On remet pas les gaz à fond, ici on freine un peu, on va chercher intérieur, on peut utiliser la première comme un espèce de frein à main si on voit qu'on s'ouvre trop, on élargit un peu, on utilise le fait de shifter pour récupérer le poids sur l'avant, le temps de passer la vitesse et donc l'adhérence. Ici on attend d'être au milieu du vibreur de droite pour mettre à 100%, ici on peut élargir mais attention à la fin du vibreur à ne pas rouler dans l'herbe sinon on peut faire un tête à queue. Ici la 5 est un peu superflue, ici on va descendre à 5000 tours minute et remettre tranquille. On met peu de volant en entrée, on referme le volant à partir du milieu du virage. Donc c'est parti, je viens de faire 1:21.3, ce qui est mon nouveau record, décidément. Donc ici, on freine au milieu, tranquille, 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 hop. On peut laisser glisser un peu, mais voilà, on perd l'avant. Donc le but, c'est de ne pas perdre l'avant. Si vous avez du mal ici, vous perdez trop de temps, et c'est vraiment de freiner. Jusqu'en première, 4000 tours minute, tant pis, mais vous restez bien collé à l'intérieur du virage, donc carrossage maximum, ce qui permet d'avoir meilleure grip à l'avant dans les virages. Et les pressions, pareil, bon, 138, si je descends, je perds du temps, si je monte aussi, donc c'est bien comme ça. Et ma barre anti-roulis, elle est à 2, mais ça, c'est, je pense que c'est au goût de chacun. Il y a juste le freinage, il se met à 57. La voiture va vraiment tendance à avoir à pivoter en entrée de virage, ce qui est assez dangereux vu qu'ici ça glisse déjà assez. Voilà, bah j'espère que cette vidéo vous aidera à améliorer vos temps si vous débutez et qu'elle vous a plu. A plus !